Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous présente Si on sortait. Je vous avouerai donc, avec pleine franchise, qu'ici, d'une beauté... Salut à tous et bienvenue dans Si on sortait. Vendredi, à la faïencerie, ne manquait pas l'école des femmes, d'après l'œuvre de Molière. Une farce jubilatoire adaptée pour 5 personnages. Au cœur de l'histoire, les aventures d'Agnès et Arnolphe. Des échanges sans prévu avec les artistes à la fin du spectacle. À Crolles, retrouver Malika Bazega et la complainte de la ménagère. C'est l'histoire drôle de Madame Messala, femme de ménage loufoque et excentrique, lassée par la frustration de sa vie de boniche, autant au travail qu'à la maison, entraîne le public dans ses rêves, ses délires et même ses fantasmes. Les couettes, d'essuyer, de ranger la vaisselle. Dur comme fer est à voir à l'espace Aragon de Villarbonneau vendredi. Ils s'appellent Zèbre à 3, mais ils sont 4 et proposent des chansons aux textes soignés et des mélodies entraînantes qui abordent, sans en avoir l'air, la dyslexie, l'absence et la mémoire. Est à l'Atrium vendredi. Cette formation grenobloise constituée de 11 musiciens présente les plus grands classiques de la musique funk et Motown. Les deux chanteurs font voyager entre les années 60 et 80, accompagnés d'une section de cuivre et habillés d'une projection vidéo d'images d'archives. Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous a présenté Si on sortait.